Est-ce que vous êtes prêts? Parce que oui, on l'est tous ici. J'espère que pour vous, donc, c'est pareil. Ce qui arrive là, c'est ce qu'on attendait tous. C'est ce qu'on a déjà imaginé mille fois, mais qui finit toujours différemment. C'est cette part d'imprévisible. C'est ce qui fait qu'on aime le foot. Allez, c'est parti. It's football time. La pression monte. Coup d'envoi dans quelques instants. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Madrid. Nous sommes à l'Estadio Santiago Bernabéu. Au micro, Omar et Benji, la team Dada, donc qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de boule et déjà une grosse pression sur les deux équipes. Le Real Madrid contre le Sporting Portugal. Quand tu es favori, tu as tendance à être très confiant, à te voir très beau, très intelligent. C'est vrai que la confiance, c'est le sourire du talent. Mais attention à ne pas trop rigoler non plus. Ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le Real. Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Rudiger Moutao, en défense centrale. Aurélien Tchouaméni sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain. Que demande, c'est Kylian Mbappé. Bien joué ça! Tout en finesse! Quel miracle, ballon sauvé sur la ligne! Avec ce carton correspond à une faute commise au début de l'action, c'est bien arbitré. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré et c'est donc une sortie de but. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0.
avait échoué juste au-dessus, c'était bien joué. Allez, c'est bien défendu, 100 mètres de jeu. Le ballon est rendu. Il y a un peu de champ là pour le Sporting dans le couloir. Il va là, là-dessus. Et c'est au fond. Voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Sur la conclusion, le petit côté est bien trouvé. Mais on peut quand même se demander si le gardien a eu la bonne lecture. Ça y est, le jeu reprend et le Sporting a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un petit but pour égaliser. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Il le concentre là, peut-être. Ouais, il est passé, c'est bien fait. En position Rudiger. Ouais, le corner pourra peut-être revenir au score. Par la défense. Fede Valverde avec le ballon. Oh, la tentative lointaine. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon. Ça lui rend bien servi ce petit coup des mains pour mettre fin à cette offensive. Très bonne intervention. Bellingham. Le dernier mot à la défense, ballon bien renvoyé. Demande. La faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc. Malheureusement, dans le but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit. C'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas. Et, ça et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Mbappé. Restez là, c'est la fin de la première période.
Vinicius n'est pas complètement convaincant dans ce match. Dans l'ensemble, c'est un peu juste pour le Brésilien. Effectivement, sa prestation offensive n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas pris beaucoup d'initiatives. Il a été trop timide dans la prise des risques. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donné par le Real Madrid. Rodrigo
Et ça touche Rodrigo. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Il a des options qui s'offrent à lui. Olé, belle technique là. Quel bon sens, toujours dangereux dans la surface. Ouais, ça n'ira pas plus loin. Et le contre est possible maintenant. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup droit très bien placé. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Le danger s'éloigne. Fuentes. Ah, la bonne frappe. Pourquoi pas cette tentative, mais c'est manqué cette tentative. L'occasion en effet d'aggraver la marque. Finalement, c'est pas cadré. Yeah.
Reiss refait le ballon. Mateus Reiss. Ouais, bonne récupération du ballon. Ouais, c'est propre, sans faute. Ouais, bon ballon là, donné dans l'espace. Ouais, le danger est éloigné grâce à cette bonne interception. Pas bien joué, mal défendu, faute, l'arbitre donne le coup franc. Le ballon renvoyé par Alaba. Ah, le contre est possible. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, la frappe, ça part bien. Et c'est finalement capté son premier. Terminé la fin de la rencontre et donc le Real Madrid réussit très bien son entrée en lice dans cette championne. Excellent départ dans la compétition. Une victoire pour leur premier match, c'est une manière d'avertir leurs rivaux potentiels. Ils sont prêts et déterminés. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout fait. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.